Olivier Pilaire tire sur réception. Ça a touché un patin devant. Mais ça revient à Xavier Sarrazin. Il tricote dans le coin. Évite Nate TV. Sarrazin, là, veut couper entre les deux. Ça compte! Xavier Sarrazin! D'un bon tir dans l'autre du filet. C'est 1-0. Sarrazin qui récupère. Belle manœuvre, belle protection de rondelle. Applique les freins brusquement. Un bon tir, balle gardienne dans la partie supérieure. C'est 1-0 l'Armada. On pouvait pas demander mieux comme dépense. C'est un deuxième cette année pour Xavier Sarrazin. 23e en carrière. Ses compatriotes. Carbonneau, un tir de Carbonneau. Retour donné par Lever. L'arrêt de Lever sur Alexis Bourque qui n'a pas mis toute la gomme sur ce tir. Mais Lever donne tellement de retours que c'est assez invitant de s'inviter à ses côtés. C'est invitant de s'inviter. Ouais. C'est bon tir au filet jusqu'à maintenant. L'occasion dans l'enclave pour Alexis Bourque. Un retour juteux donné par le gardien Lever. En plus, c'est pas aidé. Justin qui prend la rondelle. Justin Carbonneau s'amène en zone des Sea Dogs. Tente de se créer de l'espace, rejoint Bourque. Un tir de Bourque, retour encore donné. Bourque qui rate par-dessus le filet. Nobert qui est en option là, pour le tir à la droite de Lemieux. Nobert perd ensuite et c'est Eddie. C'est perdu et la Fauchon s'amène. Fauchon et c'est goal! Capitaine Jonathan Fauchon sur l'avantage numérique. C'est 2-0. Équipé, on fait payer cher l'indiscipline de Beaulieu. J'ai aimé le jeu là, de Nobert parce qu'il y avait trois joueurs des Sea Dogs sur le dos et il n'a pas lâché. On le voit bien cette reprise. Il y avait Eli, ensuite TV et Reynolds. Et c'est Fauchon, là, aidé par Bourque. Fauchon n'a pas hésité. Côté bouclier, ça fait deux fois que le gardien Reliever. C'est le vétéran de 20 ans, Mathis Gauthier, l'ancien de l'Océanique de Rimouski. Pression de Desjardins qui est frappé solidement par. Mathis Gauthier là, et Carbonneau ont été venir aider son couille. Est-ce qu'on va chasser Carbonneau? Est-ce qu'on chassera Carbonneau? Dans le coin de patinoire là-bas, donc c'est de mauvaises nouvelles possiblement dans son cas. C'est le Reynolds et compte! Peter Reynolds ramène les Sea Dogs dans le match pendant ce temps-là. Et ça prend Gravel côté Biten. Reynolds qui s'est fait oublier au cœur de l'enclave. Il va aller battre le gardien d'un bon tir vif. C'est le joueur que tu ne veux pas laisser seul sans couverture. Il y avait de la circulation devant le filet pour gêner Gravel en plus. Recette gagnante du côté des Sea Dogs pour réduire l'écart. C'est 2-1. Vers Nobert dans le coin. Beveridge vient le mettre en échec. Ça permet à Bilodeau de venir chercher le disque en premier. Passe à regarder. Pocket de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on vient de rater encore? C'est incroyable. Passe vive vers Swan qui redirige là, derrière le filet de Lever qui sort de son filet justement. Il doit faire attention avec la pression de Desjardins. Ça crée ce revirement. Retour donné dans l'enclave justement. Exactement ce que je disais. Troisième tir ensuite de Matejko. Du côté droit de Gravel. C'est raté. Relance de Matt Gosselin. Il s'amène en infériorité numérique. Il a marqué son seul but comme ça cette année. Ça va Paquette tire qui rate la cible. Il y avait une chance en or. Mauvaise passe qui revient à Paquette. Gosselin fait des vies. Compte! Un deuxième en infériorité numérique pour Matt Gosselin. C'est 3. Extrêmement important alors qu'on était en fin de rencontre, en désavantage numérique, à un seul but d'avance. On a très bien joué là, à moins d'un homme chez l'Armada. On a eu plus d'occasions de marquer que les Sea Dogs. Les Sea Dogs, ils n'ont pas réussi à s'installer. On a le bâton fracassé de Daniello qui est venu nous aider au passage. L'Armada qui reprend deux buts d'avance. Maintenu par Bourque, ensuite à Carbonneau. Carbonneau à Bourque. Un tir compte! Alexis Bourque! 5-4-1. Deuxième but rapide de la part de l'Armada. On vient assommer les Sea Dogs. Match. C'est Bourque qui a tout fait là, là-dessus pour relancer vers Carbonneau, comme tu disais. Et un bon tir de Bourque qui en marque un sixième cette année.